Le nouveau Lions Club Carcassonne Rempart, qui vient tout juste d'être créé et composé de 29 membres féminines, proposera une première action caritative ce mercredi 21 juillet, un marché des créateurs en nocturne sur la place Carnot de 18h à 22h. Vous pourrez retrouver une trentaine d'exposants, donc des artistes, peintres, sculpteurs, créateurs, producteurs, une animation musicale avec le trio L'Air de Rien, voilà, et notre ami Toile de Lu, qui pour l'occasion a fait une toile de la cité de Carcassonne. Et nous vendons des billets de tombola au prix de 2 euros. Ces billets sont déjà en vente au Carnot. Et vous pourrez évidemment les retrouver mercredi à partir de 18h à la vente sur la place. Le tirage au sort aura lieu à 21h. Voilà. Et les bénéfices de cette soirée, seront pour le centre d'information sur les droits des femmes. Ce centre organise des visites médiatisées dans le cadre de la protection de l'enfance et prévoit de créer une nouvelle salle d'accueil. Et donc nous les aiderons dans le financement de cette salle d'accueil. Une première aussi pour l'association des cafetiers, restaurateurs et commerçants de la place Carnot qui souhaite multiplier les animations dans les prochains mois. Mais animer les soirées d'été, les soirées où c'est un petit peu mort, et puis se faire un collectif entre restaurants, cafetiers et commerçants dans la place Carnot. Vu la nouvelle place qu'on a, qui est neuve et qui est jolie et qui est agréable, on a décidé de se faire un petit collectif associatif pour se réunir. Bien sûr, en fait, l'objectif aussi, c'est de pouvoir se restaurer autour de ce marché nocturne, où tous les restaurants seront ouverts ce soir-là, dans une ambiance un peu sympa. On tente de créer la convivialité entre tous les cafetiers et toute la ville en général, parce que on fait ça, c'est quand même pour le peuple, quoi, hein, pour tous les habitants de Carcassonne, pour les touristes, etc. On va faire évoluer la place Carnot. Le rendez-vous est donc pris pour ce mercredi de 18h à 22h, place Carnot à Carcassonne.